Bonjour à tous, c'est Komoji pour BestKicker. Et aujourd'hui, un match en 400 contre JD75, que j'ai déjà joué en fait sur Full Tilt, qui m'avait battu, et que j'avais trouvé qui jouait très bien. Donc, j'espère que ça va faire un match intéressant. C'est un joueur qui est très agressif pré-flop, si je me souviens bien. Post-flop, j'avais rien remarqué de spécial, à part une fois il m'a check-raise sur As-Roi X. Un petit check-raise en fait, j'ai float, il y a check-turn et il y a check-fold river. Donc il y a potentiellement ce schéma-là que je peux exploiter. À part ça, je vais pas, on n'avait pas joué très longtemps. J'avais pas eu le temps de trouver d'autres choses à exploiter. Dame 10-5, c'est pas un très bon flop. Je vais miser turn si check turn ici, mais en fait ça touche quand même pas mal sa range, donc j'ai pas envie. J'ai pas trop envie de c-bet. Ici j'aurais du mal à représenter quelque chose, que tous les tirages ratent, j'ai jamais de dame parce que j'ai checké le flop. Ça va être dur de bluffer. Donc la mise à attendre, c'était vraiment s'il a rien du tout, on le compte très souvent. Puis si dans le cas on a tous les deux R, en fait j'ai pas envie de checker turn et qu'il mise presque 100% de sa range river et que je suis obligé de folder. Là c'est pas mal, mise à attendre, parce qu'en fait, enfin c'est évident, c'est standard. Mais il pense qu'en plus que je vais miser tout mon R en fait. Par contre, là, c'est une très très mauvaise carte puisque il y a beaucoup de ace-high dans sa range. Si, je pense que je vais juste check fold. Ça me paraît un petit peu oui parce que j'ai une main assez forte en fait finalement. Bon, il a juste trop souvent un as. Et puis en fait, les mains que je bats en fait, elles vont check behind. C'est genre des 1-2 ou paire de 3, paire de 4, des choses comme ça qui vont de temps en temps check le flop, pas se faire check raise. Je suis trop souvent derrière ici, je pense. Seule chose que je battrais, c'est éventuellement si il value bet un 9. Mais bon, c'est tellement il fait partie de sa range que c'est pas très intéressant. Bon, pour l'instant, il a été assez serré, enfin même très serré hors de position, mais je pense qu'on va voir cette stat évoluer pendant le match. Alors, je sais pas si je